Hanouka, la salle Gimel, passage Vav, page 28, première colonne. Zéprinat Hatzdaka, Shinoa Geniten, Hanouka. Alors, Hanouka, on a l'habitude de donner de la Tzdaka. Il y a un minak de donner de, on appelle Hanouka Geld, l'argent de Hanouka. Qui car aniout, chazvishalom, ou machmatit gabrout a yemera, alay metov. Qu'est-ce qui crée la pauvreté? C'est quand maintenant les jours, les mauvais jours, ils prennent le dessus sur les bons jours. C'est-à-dire quand les mauvaises midot, elles prennent le dessus. Quand les choses qui sont l'interprétation négative de la vie, elles prennent le dessus sur le positif, alors à ce moment-là, on rentre dans des problèmes de pauvreté. C'est ça qui appauvrit le monde. Quand maintenant il y a des choses qui viennent pour exploiter le monde sous forme de plaisir, de profit, c'est ça qui amène la pauvreté dans le monde. Que ça, c'est la bgima de la levana. C'est ça tout le problème de la pauvreté. Alors maintenant, Menachaman ici, que Rabbi Nathan, il parle de ça, de bgima de la levana, parce que aujourd'hui c'est Rosh Chodesh et Fad Rosh Chodesh Tamuz, que Rabbeinu dit que Rosh Chodesh Tamuz, c'est pour être metaken, metaken le zikaron, parce que pendant Tamuz, c'est là où les luchot, elles ont été cassées, que Tamuz, c'est Rosh Tevot Zichro Torat Moshe, Tamuz Zichro Torat Moshe, et il n'y a pas de vav, parce que le vav, c'est les luchot qui ont été cassées. Donc c'est écrit, si on veut, Tamaz Zichro Torat Moshe. Il n'y a pas le vav des luchot, elles ont été cassées. Alors Rabbeinu dit dans l'écouté moral que le Rosh Chodesh, c'est le Shoresh de la Tshuva. Rabbeinu dit que la racine de la Tshuva, c'est Rosh Chodesh. Pourquoi c'est Rosh Chodesh la racine de la Tshuva? Parce que Rosh Chodesh, HaKadosh Baruch Hu, il fait Tshuva. C'est HaKadosh Baruch Hu qui fait Tshuva. Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'il fait Tshuva, HaKadosh Baruch Hu? Il regrette qu'il a diminué la lune. Ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, que Kimat Alvana, que quand quelqu'un il fait des mauvais choix dans sa vie, quelqu'un il est parti, il a voulu faire un médecin sans frontières, il s'est engagé pour aller soigner des gens au Bangladesh, après lui-même il s'est trouvé dans la dèche, il n'y a personne qui s'est occupé de lui. Alors ça, ce choix-là qu'il a fait, c'est parce qu'il y a un miout de la levana, c'est-à-dire l'immune de la levana, c'est-à-dire au lieu que la matière, que la matière, que la façon de vivre, elle renseigne le monde sur ce que c'est la vie, alors elle trompe les gens. Et quelqu'un dit, ouais, c'est super, on te rend compte, on va faire une manifestation pour la fin dans le monde, ça y est, on en a marre, etc. Ok, d'accord. Après, il se passe ce qui se passe, et lui, au bout de quelques années, ou des fois, il ne se rend même pas compte, le pauvre. Il ne se rend même pas compte, voilà, des gens... Les pauvres, ils sont des écologistes ou des trucs, comme Bendit, des gens comme ça, les pauvres, voilà, c'est un écologiste, voilà. Il a vieilli depuis 1968, il est resté là-dedans, et truc. Il n'y a pas de changement, mais d'où ça vient que les gens ils se trompent? Ça vient parce que la levana, la lune, elle a été diminuée. Comme la lune, elle ne reflète pas la lumière du soleil, la lumière du sechel, la lumière de l'esprit de façon évidente, alors la vie, elle est difficile, les choix, ils sont difficiles. Plus la lune, elle est abîmée, Elle est diminuée dans sa capacité de reflet du soleil, c'est-à-dire dans sa capacité de refléter la vérité, et plus la recherche va être difficile. Plus la recherche va être difficile, parce que la lune, elle ne va pas tellement aider la personne dans sa recherche, parce que la matière, elle ne va pas avoir d'évidence de ce qu'il y a derrière. Rabbeinu dit que si tu prends quelqu'un et tu le mets dans une île déserte, tout seul, c'est sûr qu'il va faire tchouva, c'est sûr qu'il va se rapprocher d'Hachem. Parce que de l'intérieur de la personne, le bien, il va se manifester, il va avoir une recherche tout de suite vers Hachem, il va trouver Hachem, parce qu'il est tout seul. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'éloigne d'Hachem? C'est parce qu'il y a des modes de vie qui ont été fabriqués, qui sont des inventions de gens, qui sont des consommateurs. Ces gens-là qui sont des consommateurs, ce sont des gens qui profitent de la diminution de la lune, c'est-à-dire qui profitent du fait que les systèmes qui ont mis de vie, c'est-à-dire les systèmes sociologiques qu'il y a dans le monde,
c'est-à-dire tous les systèmes sociaux de modes de vie qu'il y a dans le monde, ce n'est pas des modes de vie qui sont basés sur la vérité. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas été chercher le sechel avec la emouna. Le vrai sechel, c'est la emouna. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas réfléchir juste. Pour que vous réfléchissiez juste, d'abord, il faut que vous soyez confiance dans la base de données qui est la vérité. Mais cette vérité-là, vous ne pourrez pas la vérifier. Vous ne l'aurez vérifiée que quand vous aurez fini de fermer le circuit. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte que c'était vrai. Mais au début, quand vous prenez une base de données qui vous est donnée par la Torah, par le tzaddik, cette base de données, elle n'est pas vérifiable. Parce que maintenant, si elle était vérifiable, tous les gens dans le monde, ils l'auraient trouvé déjà. Si c'était quelque chose de vérifiable. Le soleil, il ne reflète pas dans la lune. Ce monde-là, matériel, il est lunaire. Il est féminin, il est lunaire. Maintenant, l'évidence d'Hachem dans ce monde, elle est très faible. Et plus on va, et moins c'est évident. Maintenant, sur quoi ils se basent tous les gens qui trompent la plupart des gens sur Terre, ils les trompent? C'est sur quoi ils se basent? Ils se basent sur le fait que maintenant, les gens ils voient pas clair, parce que le reflet de la divinité dans la lune, il n'est pas très fort. Alors maintenant, il y a des gens qui interprètent. Il y a un petit peu de lumière, c'est très faible. Chacun, il voit un petit peu de lumière comme ça dans sa vie. Des fois, il se passe quelque chose, il y a un truc qui choque un petit peu, ou quelque chose, ça réveille un peu des gens. Ils voient un petit peu de lumière, mais c'est très faible. De là à construire un système social qui serait adapté à la divinité, il n'y a pratiquement personne qui peut faire ça. Alors maintenant, l'adhésion au sechel véritable, c'est-à-dire comment trouver le véritable sechel, c'est rien qu'avec la emouna. C'est rien qu'avec la emouna que tu peux trouver le sechel. Quand Rabbeinu dit dans le Torah Aleph que Ish Israeli doit être mistakel dans le sechel Sheish Vekol Davar, c'est-à-dire dans chaque chose, il y a une présence divine. Maintenant, toi, tu dois être mistakel, c'est-à-dire tu dois chercher, observer, pour essayer de t'attacher au sens qu'il y a dans la chose et pas à l'apparence. C'est-à-dire de chercher le sens véritable de la chose. Que cette chose-là, ça soit un moyen pour toi de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de te rapprocher de la vérité. Maintenant, le fait que la levana elle a été diminuée, c'est ça qui a créé tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Donc maintenant, en Rosh Chodesh, Akadosh Baruch Hu, il fait tshuva sur ça. Akadosh Baruch Hu, il dit « Eviyu alai kapara, amenez pour moi une offrande, un korban, parce que j'ai diminué la lune. » C'est-à-dire, lui-même, Hachem, il regrette d'avoir diminué la lune. Qu'est-ce que tu dis, Hassan Moshe? Oui, une petite question. À chaque fois qu'on parle de Biat Nemana, il n'y a que un côté négatif. On va vers Ahava Shebedat, on va vers l'origine de l'amour qu'Hachem il avait avec les Neshamot Israël, avant qu'elles viennent dans ce monde et qu'elles fassent des bêtises. Alors maintenant, chaque Rosh Chodesh, c'est le même principe qui vient, mais il y a quelque chose de plus fort, c'est que Hachem il fait Tshuva. Maintenant, ça aussi, Rabbeinu en parle pour Rosh Hashanah. On sait que ce principe-là, il est dans Rosh Hashanah, que Akash Bokhu, il a fixé le Rosh Hashanah à Rosh Chodesh. C'est-à-dire, le Yom Adin, le jour du jugement, il a fixé à Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce qu'on peut venir, on peut dire à Hachem, attends, toutes les avérotes que j'ai fait, c'est parce que tu n'étais pas évident. Regarde, quand maintenant c'était évident, regarde, j'ai fait le bon choix. Quand est-ce que je n'ai pas fait le bon choix? C'est quand maintenant. Le fait que moi déjà je suis abîmé dans mes midotes et j'ai des désirs et des mauvaises midotes, etc., et que la situation s'est présentée à moi comme une notion de plaisir, etc., alors je dis, comment tu veux que je le fasse? Je peux pas, c'est difficile. Comme dans la princesse disparue, à chaque fois elle le comprend, elle lui dit voilà, au bout d'un an, etc., il a tout fait pendant un an, et après il vient à la fin, il mange, il voit une pomme, tac, il mange, il tombe dans le sommeil. Et après la deuxième fois, il boit du vin, allez encore, il tombe dans le sommeil. Elle essaye à chaque fois de l'aider en lui rendant la tâche plus facile. Mais c'est très difficile pour lui. Parce que lui, les mains, il fonctionne avec des éléments qui sont des éléments de ce monde. Comment tu veux, quelqu'un maintenant, il est, c'est comme si quelqu'un, il voit pas bien, il est à moitié aveugle. Et maintenant, les choses que tu veux lui dire, les messages que tu lui écris, ils sont écrits d'une façon qui est pas clair, c'est-à-dire c'est au lieu que ce soit blanc sur noir ou noir sur blanc, tu lui fais du gris sur un fond qui est presque lui aussi gris que c'est mamache pas visible déjà. Alors déjà lui il voit pas bien. Maintenant toi tu lui écris le message pas bien. Comment tu veux qu'il s'en sorte?
très difficile. Alors maintenant, le fait que Hachem lui-même, il reconnaît ça, Rosh Chodesh, il reconnaît et dit, mes enfants, je sais que tout ce que vous vous trompez, c'est parce que j'ai diminué la lune, c'est-à-dire j'ai diminué l'évidence d'Hachem dans le principe féminin. Je sais que ça vient de moi. Donc maintenant, quand Hachem lui-même, il dit ça, nous, on fait passer tout de suite le dossier. C'est-à-dire, on vient, on dit, voilà, alors toi-même, tu sais pourquoi on est dans ce pétrin-là. Maintenant, on essaie de s'en sortir, mais comprends-nous, il ne faut pas nous juger de façon dure, parce que moi, si on est dans une situation qui est très difficile, toi-même, tu reconnais que c'est un problème d'avoir rendu la matière tellement peu évidente en divinité. Tellement peu évidente. Mais comme on a étudié dans la Torah, Hachem il était obligé de faire comme ça. Hachem ne pouvait pas faire autrement. Si Hachem il t'aurait mis plus de divinité dans la matière, il y a des gens, ils auraient profité encore plus. On profitait encore plus. Il y a des gens, tu leur donnes à manger un petit peu. Comme on dit, tu leur donnes le doigt, ils prennent le bras, ils prennent tout. C'est-à-dire que l'homme, tu lui donnes un petit peu de lumière. Pour les ta'avot. Toi, tu crois qu'il va prendre un petit peu de lumière et dire, bon, ça suffit maintenant des ta'avot, on va passer au travail, on va se chercher Hachem, et tu vas voir qu'il ne va pas passer au travail, il va faire encore plus des ta'avot et plus sophistiqué, etc. Et ça amène la aniyout dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, tout le fait que les gens ils cherchent à consommer, c'est ça qui amène la pauvreté dans le monde. Et plus maintenant ça va dans de la consommation, et plus les pays s'appauvrissent. Vous voyez, en France, ils ont voté ce truc-là de mariage gay. Vous voyez, l'économie, elle ne fait que baisser. Ils ont eu des mois, des records de chômage qu'il n'y a jamais eu depuis des dizaines d'années. Et ça ne va faire que baisser. Parce qu'il y a maintenant l'utilisation de choses qui sont... Regardez, il y a même, j'ai vu une mairie qui a refusé de faire. Elle devait faire des gens un mariage gay. Elle a dit non, chez nous, on ne fait pas ça. Les ministres, ils ont dit, mais attends... Mais on est république, vous devez faire, et bien non, on ne fait pas. C'est tout. On estime que c'est quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas des lois. Ce n'est pas quelque chose qui est une loi. C'est quelque chose de complètement abominable et aberrant. Et nous, on n'est pas d'accord. Et chez nous, dans notre mairie, il n'y aura pas quelque chose comme ça. Alors maintenant, ils vont les mettre soit en prison, soit un truc. Mais vous voyez, c'est des choses qu'on ne voit pas d'habitude. D'habitude, quand il y a une loi qui passe, ça y est, c'est réglé. Toutes les mairies elles reçoivent des trucs, etc. La chose, elle est réglée. Mais vous voyez une mairie qui dit non, chez nous, ça ne va pas se faire. Ça veut dire que le Tov, il essaye de réagir. Les gens, ils disent, mais attends, vous voulez nous détruire complètement, les masses. Vous voulez nous rendre fous et nous détruire complètement. C'est ça que vous voulez. Les gens qui ont un peu de conscience, ils savent où ça va amener. Parce que, il dit, la niout, elle vient de ça. Plus les gens, ils augmentent de la... Ils font du plaisir, quelque chose de tellement sophistiqué, de tellement fou, plus ça amène de la pauvreté dans le monde. Alors, Rabbeinu dit que le Geinam de Rosh Chodesh, c'est pas comme le Geinam d'habitude. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'enfer, dans le Geinam, le Rosh Chodesh, c'est la honte. C'est pas comme dans le mois. Dans le mois, c'est du nettoyage. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, il doit rentrer, maintenant il doit aller au pressing parce que ses vêtements, ils sont sales. Il a sali ses vêtements, donc il va rentrer au pressing pour nettoyer ses vêtements. C'est-à-dire, c'est tous ses concepts, etc., il va les nettoyer. Mais le jour de Rosh Chodesh, le Geinam, c'est spécial, c'est un Geinam de honte. C'est-à-dire que les gens, ils ont honte. Pourquoi ils ont honte? Parce que voilà, des gens comme ça, on va leur dire quoi? On dit, ok, tu as maintenant des ta'avot et tout. Mais pourquoi tu n'as pas eu honte de ces ta'avot-là? Au moins, tu aies honte. Au moins cache-toi. N'en fais pas quelque chose d'officiel. Ne rends pas les gens officiellement fous. Ne rends pas que la société, ça devient l'asile de fous et que l'asile de fous, ça devient les gens normaux. C'est-à-dire quelqu'un qui veut rester normal après maintenant et qu'il faut qu'il rentre dans un asile de fous. C'est-à-dire si quelqu'un, c'est ce que dit Michelet, quand tu vois maintenant que les gens qui ont la crainte d'Hachem, ils sont persécutés, c'est-à-dire c'est des gens qu'on ne veut pas laisser s'exprimer, etc. Alors fais le fou, fais comme si tu étais fou, pour que les gens te laissent tranquille. Parce que si maintenant tu dis que tu es sérieux, etc., que tu es normal, c'est les gens ils vont te prendre à toi pour un fou. Alors maintenant quand tu vois une société comme ça, c'est des sociétés où Al-Pi-Alakha, c'est des endroits où on n'a plus le droit de vivre, d'après l'Alakha. C'est-à-dire quand ça arrive à des choses comme ça, on n'a plus le droit de vivre. Regardez maintenant à New York, vous avez vu à New York, dans la ville de New York maintenant. Maintenant, dans la ville de New York, d'après la loi,
les femmes, elles ont le droit de marcher à moitié nues dans la rue. Et il n'y a pas de policier qui peut dire quoi que ce soit. C'est une nouvelle loi qui vient de sortir il y a quelques semaines, et c'est comme ça, voilà, elles marchent dans les... Ça y est, c'est un endroit où tu n'as plus le droit d'habiter, elle, puis à la fin. C'est-à-dire, tu peux habiter là-bas, mais tu restes enfermé chez toi, tu ne peux pas sortir en tout cas. C'est à Al-Kha, tu ne peux plus sortir, parce que dès que tu sors, tu vas, comment tu vas faire? C'est impossible de vivre dans des endroits comme ça. Et ça, vous voyez, plus le monde y va mal, et plus le monde y fait pour que ça aille encore plus mal. Au lieu que maintenant les gens y réagissent, ils essayent d'améliorer le système pour que ça aille mieux, non, encore pire. C'est-à-dire faire des choses qui amènent encore plus de la pauvreté dans le monde. Alors Rabbeinu, il dit que Rabbeinu, il parle de Korach dans Shrodesh, il dit que maintenant Korach, il dit qu'il y a Korach et toute son équipe, ils sont là-bas dans le Gehinam. Et chaque Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'ils disent? Rabbeinu explique ça, il amène d'après Rav Avraham dans la Gemara qui dit que tous les Rosh Chodesh, ils disent Moshe Emet, Vetorato Emet, et Badaïm, c'est des menteurs. Pourtant, c'est des menteurs quand ils disent ça. Pourquoi c'est des menteurs? Parce que le problème, Behemet, c'était pas tellement Korach. Avec Korach, il y avait deux Bnei Adam qui se sont collés à eux, qui sont Eldad et Medad. Ces deux-là, c'est eux qui ont tout fait. C'est pas Korach. Korach, lui, sa machloquette qu'il a fait avec Moshe Rabbeinu, c'est une... Hein? C'est Datan et Aviram. Datan et Aviram. Alors eux, qui étaient en Égypte. Oui. Qui étaient en Égypte, qui ont été vendre, qui ont été dénoncés Moshe à Datan et Aviram. C'est eux qui l'ont dénoncé au Pharaon. Alors eux, ils l'ont dénoncé à Pharaon, comme quoi, etc. Et ils avaient une haine sur Moshe terrible. Alors maintenant, quand lui, Korach, il a commencé à faire une machloquette, que lui, elle était l'Hashem Shamaim, sa machloquette. Ce n'était pas une machloquette qui était une machloquette de haine. C'était une machloquette par rapport à des concepts qu'il n'était pas d'accord. Et il a commencé à faire une lutte de concept, pas une lutte qui était... Il n'y avait aucune haine sur Moshe. Mais eux, Datan et Aviram, eux, ils avaient vraiment de la haine. Alors eux, ils ont pris cette chose-là, et c'est eux qui l'ont fait grandir, la chose. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'a dit à Korach, demain matin, on va voir, etc. Parce qu'il a appliqué le principe qui dit que si tu vois un Talmid Chacham qui fait une Avera, alors sache qu'il ne faut pas que tu le juges, parce que c'est sûr que la nuit il va faire Tshuva, le matin il a fait Tshuva. Donc il dit, c'est sûr que la nuit il va se rendre compte que Mistama il se lève à Chatzot, Korach et tout, il fait de Bodedou, tout ça, il va se rendre compte qu'il est en train de faire des bêtises, demain matin l'affaire elle va être réglée. Maintenant quand il est venu la nuit, ils sont venus les deux autres d'Atan et Avera, mais ils ne l'ont pas laissé toute la nuit. Toute la nuit, ils n'ont pas arrêté de l'embêter et de le chauffer contre Moshe Rabbeinu, etc., de manière à ce que après il reste dans cette machloquette là. Maintenant, le fait que vous voyez ce nian qu'on a vu que Ahava Shebedat et Ahava Shebeyamim, dans le contraire, dans la sin'a, ça existe le contraire aussi. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un, il va faire une histoire. Parce que maintenant, il pense que c'est pas qu'il veut faire des histoires. C'est-à-dire que maintenant, il veut venir réagir par rapport à quelque chose, n'importe quoi, amener une idée. Mais maintenant, ce qu'il ne sait pas, c'est que lui, il va commencer avec quelque chose qui est quelque chose de vrai dans sa réaction. Mais sur ça, il va se coller des gens que eux, c'est pas des gens qui cherchent la vérité du tout. Eux, c'est des gens qui ont de la haine terrible. Et eux, ils vont venir, ils vont exploiter cette machloquette. C'est-à-dire cette discussion, cette dispute qu'il y a maintenant, qu'il y a un désaccord d'idées, eux, ça va aller complètement sur de la violence, sur des choses terribles, parce qu'ils vont sortir la haine qu'ils ont en eux, comme ils ont fait pour des trucs là, des matchs de football et tout. Les gens, ils veulent manifester pour faire quelque chose. Il y a des gens qui viennent avec de la violence, ils commencent à casser des magasins, des trucs, parce qu'ils utilisent, ils attendent qu'il y ait quelque chose qui soit un peu en désordre, même si c'est pour quelque chose, pour fêter quelque chose. Ils attendent un peu le désordre pour venir se coller sur ça. C'est le même principe qu'on a vu de Ahava Shebedat et Ahava Shebeyami, mais à l'envers, c'est-à-dire dans le mal. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un, il fait une machloquette, et lui, au départ, c'est les Shem Shamaim, c'est-à-dire que lui, ce qu'il fait, c'est mamash, une recherche, parce qu'il pense que cette chose-là, elle n'est pas bien. Alors, il y a d'autres gens qu'eux, ils vont se coller là-dessus, qu'eux, c'est que des gens de haine et de violence et de cruauté, etc. C'est pour ça que même si quelqu'un, des fois,
il a quelque chose à dire ou à redire, et que c'est quelque chose qui est positif, il faut qu'il réfléchisse bien, bien, avant, s'il ne va pas avoir des gens qui vont récupérer cette chose-là pour en faire des mouvements de haine et de violence. Alors qu'au départ, ça pouvait être sincère, l'idée. Mais cette idée-là, quand elle se développe après, qu'elle est prise par des gens qui peuvent en arriver au, complètement autre chose, que la personne n'a pas prévu ça. C'est pour ça que l'Ema, c'est Korach. Korach, il fait tshuva dans le Géhenna. Mais Datan et Aviram, ils font pas tshuva. Eux, ils sont là-bas, c'est écrit, ils sont dans le Géhenna, et ils font pas tshuva. Même là-bas, ils disent, non, on reste sur nos positions, c'est-à-dire, ils restent sur la haine de Moshe Rabbeinu. Ils veulent pas sortir de ça. Tout ça, c'est ramené dans Gemara au sujet de Rosh Chodesh. Parce que le Géhenna de Rosh Chodesh, c'est la honte. C'est que les gens ils vont avoir honte. Et Rabbeinu dit que la honte du Géhenna, c'est le pire de tout le Géhenna. Parce que quelqu'un, quand il souffre, on est en train de faire du nettoyage. C'est-à-dire, on lui lave ses vêtements. C'est-à-dire, on lui lave ses midotes. Alors, il supporte, ok, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, il passe au nettoyage. Mais la honte, c'est la chose la pire qu'il y a dans le Géhenna. Et les mains, c'est le Rosh Chodesh que maintenant, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu lui-même, il regrette qu'il a diminué la lune. Alors, ceux qui sont au Géhenna, ils ont ce jour-là la honte. C'est-à-dire, c'est un jour, il leur vient une honte terrible d'avoir fait ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, au moins que quelqu'un, il est comme il est. Maintenant, on n'est pas en train de dire que quelqu'un, il doit être parfait. Mais la honte, d'enlever la honte, quand on commence à faire des trucs publics et officialiser des choses comme ça, alors ça, c'est très très grave, parce que ça veut dire qu'on a enlevé la boucha. Ça, c'est la chose la plus terrible qui est. C'est le plus grand Géhenna qui vient sur ça. Et après Korach, c'était pas seulement les 250. Ça arrivait à 14 750. C'était Pharaon qui était passé avec l'encens au milieu des morts et des vivants. Ça aurait continué. C'est Moshe Rabbeinu, l'a arrêté parce qu'il a vu que ça y est. Et ça n'a pas été facile. Mamash, tu vois, cette génération-là, elle a énormément souffert. Ils ont énormément souffert, les gens. Ils ont souffert de quoi? Ils ont souffert de leur maladie. C'est ça qu'ils ont souffert. Aujourd'hui aussi, tu vois, des gens, ils veulent faire tchouva et tout. Comment c'est dur pour eux? Comment ils passent des trucs et tout? De quoi ils souffrent? Ils souffrent de leur maladie des midot. C'est de ça qu'ils souffrent. Ils souffrent, voilà, ils sont sortis d'Égypte. Ils restent tranquilles, ne fais pas d'histoire. C'est tout ce qu'on te dit de faire. Si quelqu'un ne fait pas d'histoire, il est sûr qu'il va arriver. Qui va arriver à toutes les brachotes du monde. Ne fais pas d'histoire. Ne rentre pas dans des histoires. Il vaut mieux pour toi. Parce que toi, tu n'es pas quelqu'un qui sort d'Égypte. Tu es à moitié à l'envers déjà. Si toi, tu es à moitié à l'envers, tu rentres avec des gens qui sont encore plus à l'envers que toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va te sortir de tout ça. Même tu vois des gens qui font des choses et tout, il ne faut pas te mêler. Il faut rester en dehors de toutes les histoires tout le temps. Tous ces gens qui sont sortis d'Égypte, tous les problèmes qu'ils ont eus, c'est parce qu'ils sont rentrés dans les histoires. Ils ont commencé à faire des histoires, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de viande, et qu'est-ce que tu nous as amené ici, pourquoi, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas l'autre, et les Meraglim, et les Nianim, et tout. Toutes ces histoires-là, et Korach et tout, ces gens, ils sont rentrés dans des manifestations terribles. Manifestations terribles, c'est ça qui a fait tous ces problèmes, parce qu'ils sont rentrés, ils ont commencé à manifester, et ils ne savaient pas que le Mahasé, ils manifestaient, pour le rat, d'après le rat qu'ils avaient en eux. C'est ça qui les faisait manifester. C'est pas la recherche de la vérité. C'est qu'ils avaient des mauvaises midotes. Ces mauvaises midotes, c'est elles qui ont fait que maintenant ils ont commencé à manifester. Parce qu'ils avaient, eux, tu vas voir quelqu'un qui fait une machloquette, quelqu'un qui fait une histoire. Lui, quand il fait l'histoire, il peut faire l'histoire les Shem Shamaim. Parce que maintenant, il est en train de chercher une solution dans la Torah, Behemet, et il trouve que la Torah, elle n'est pas bien faite, etc. Mais toi, que tu es un Ben Adam en mouvement, en déplacement entre l'Égypte et Eretz Israël, toi, il ne faut pas que tu rentres là-dedans du tout, parce que c'est dangereux pour toi. Rabbeinu dit que la machloquette entre les tzadikim, c'est fait pour éloigner les gens qui ont été pogrom dans le Brit. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été pogrom dans le Brit, quand il voit des machloquettes entre les tzadikim, il faut qu'il s'éloigne de ça. Parce que c'est dangereux pour lui. C'est très dangereux pour lui. C'est des choses qui peuvent amener très loin. Alors, dans le principe de la machloquette, pourquoi c'est dangereux? Parce que la machloquette, elle est faite pour faire grandir l'homme.
C'est un moyen de faire grandir. Quand Rabbeinu est revenu d'Eretz Israël, il a dit, je vous ai amené un cadeau, c'est la machloket. C'est-à-dire la dispute, l'opposition. Mais un Baal Tshuva, quelqu'un que lui-même, ses midot, elles ne sont pas bonnes, il ne peut pas rentrer dans des machloket. Parce que s'il rentre dans le machloket, c'est sûr qu'il va tomber. C'est sûr, il peut être garanti qu'il va tomber. Parce que la machloket, elle est faite pour extraire le bien qui se trouve dans une situation qu'il est embrouillé dans des choses. Maintenant, la machloket, elle va faire de la discussion, et de cette discussion, il va jaillir la vérité. Mais lui, il ne peut pas rentrer dans la discussion, parce qu'à peine il rentre dedans, il tombe tout de suite. Il ne peut pas rentrer dans cette discussion-là. Dès qu'il rentre, il tombe. Par exemple, c'est écrit que quelqu'un il a... Laissez ouvert, David. Ça fait de l'air. C'est écrit comme ça, que quelqu'un dans l'éducation, quand il a des enfants ou des élèves, etc. Alors il peut faire semblant d'utiliser, de se mettre en colère pour les ressaisir, etc. Mais c'est écrit que quelqu'un qui peut faire, qui est-ce qui peut faire semblant d'être en colère? C'est quelqu'un que lui-même, il n'est pas coléreux. Mais si quelqu'un il est coléreux, il n'a pas le droit de faire semblant de se mettre en colère, parce qu'il va tomber tout de suite dans la colère. Il ne peut pas faire semblant. Maintenant, quelqu'un qui a des mauvaises midot, quelqu'un qui a un problème de levushim, de vêtements, d'approche de la vie, avec ces vêtements-là, il ne peut pas s'approcher de la machloket, il ne peut pas rentrer dans des discussions, d'opposition sur des concepts dans la Torah. Il faut qu'il s'éloigne de ça, parce que lui, il n'est pas du tout taillé pour ça. C'est que des gens qui ont des vêtements propres qui peuvent rentrer dans la machloket. Et les gens qui ont des vêtements propres, c'est des tzadikim. C'est des tzadikim qui ont les vêtements propres. Les autres, ils n'ont pas à discuter. Quand tu entends quelque chose, il ne faut pas rentrer dans ces choses-là. Même il y a eu tout ce qu'ils ont parlé là des Shurubanim, de Rav Berland, etc. Alors, quelqu'un il a raconté, il a dit que maintenant ils sont partis une centaine d'élèves là-bas au Maroc, ils sont là-bas chez Rabbi Amram Ben Diwan. À Wazan, chez Rabbi Amram Ben Diwan. Alors il dit que quand ils sont arrivés là-bas, il y a une dame qui garde là-bas le kever. Alors on ne les a pas tous laissés rentrer, etc. Elle a vu des gens comme ça, pour eux c'est un peu bizarre là-bas. Il y a une centaine d'élèves qui arrivent, un peu excités et tout. Elle les faisait rentrer un petit peu, petit à petit, de temps en temps, pas tous en même temps. Alors la nuit, elle a rêvé de Rav Amram Ben Diwan. Il lui a dit, ces gens-là, ça fait très très longtemps que je les attends. Ouvre-leur tout. Et comme ça, elle a ouvert tout, elle leur a dit, tout ce qu'il y a ici, c'est à vous. Vous faites ce que vous voulez. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que Hachem fait dans le monde. Nous, on ne sait pas. On sait que maintenant, tous les kvarim des tzadikim, c'est les breastlivers qui les ont refait vivre. Même tu prends plus le kever du Baal Shem Tov. Tous les chassidim, tu leur dis le Baal Shem Tov, ils vont te dire Kadosh, 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 Baal Shem Tov. Qui est-ce qui a fait quelque chose pour la tombe du Baal Shem Tov? Personne. C'est quoi? C'est des breastlivers. Il y a des Français, des gens, ils ont acheté le terrain, ils ont fait que maintenant, pour Hachem, les gens, ils vont là-bas à Shavuot, je ne sais pas combien ils sont, 1000 ou je ne sais pas combien, ils vont pour passer Shavuot là-bas. Qui est-ce qui a tout fait ça? C'est des breastlivers. Ils ont fait le Mikvé, ils ont fait le Beta Midrash, ils ont refait des chambres où dormir, tout ça, c'est des breastlivers qui ont fait. C'est eux qui ont fait vivre. On ne sait pas ce qui se passe, etc. Pourquoi des breastlivers, ils vont comme ça, dans le Kever, dans le Tzadik au Maroc, quel rapport ça avec Rabbeinu? Nous, on ne connaît rien là-dedans. Nous, on sait qu'on doit faire tous les jours de Boedout, étudier Shulchan Aruch et aller au Manarushan. À Khutzmizin, on ne comprend rien du tout. Et il ne faut pas chercher à comprendre, parce qu'un homme qui est abîmé déjà dans ses midot, c'est-à-dire dans ses mesures, tu ne peux pas le faire rentrer dans les disputes, parce que dans les disputes, il faut avoir des mesures hyper précises pour pouvoir se disputer. Comment tu vas te disputer si tes mesures elles sont fausses? Tu ne peux pas te disputer. C'est comme tu fais un concours, tu vas faire un concours, les outils que tu as, ils sont faux. Comment tu veux rentrer dans un concours? De quoi tu vas faire le concours? Tu es perdant, avant de commencer, tu es perdant. Tous ces outils, ils sont faux. Tu vas rentrer dans un concours de mesure. Toi, quand tu mesures un millimètre, c'est 3 cm. Comment tu veux, avec qui tu vas rentrer en concurrence? C'est impossible. Donc, 20 mètres, quelqu'un, il doit faire attention à la machloket, parce que c'est la seule chose qui fait tellement de mal dans le monde, c'est les histoires. Il faut sortir des histoires, il ne faut pas faire des histoires. Là où il y a une histoire, même cette histoire, elle risque de faire gagner de l'argent. Il faut sortir des histoires. L'argent qui vient avec des histoires, ce n'est pas la peine, il faut le laisser.
faut dire à Hachem, regarde, tu veux me donner par Massa, donne-moi, mais sans histoire. Moi, je ne peux pas rentrer dans des histoires. Moi, je ne veux pas rentrer dans des histoires parce que les histoires, ça détruit la vie de quelqu'un. Tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'on a souffert de la sortie d'Égypte jusqu'à la rentrée dans l'Eretz Israël, c'est rien qu'avec des histoires, c'est tout. Les gens qui ont fait des disputes, qui ont commencé à se plaindre, et il nous manque ça, et on n'a pas ça, et pourquoi celui-là, et pourquoi l'autre. C'est ça qui a amené tous les problèmes qu'on a eus. Là où quelqu'un il voit de la dispute, il faut qu'il se sauve, c'est tout. Il faut qu'il se sauve, il ne faut pas rentrer du tout là-dedans, parce que c'est la chose la plus dangereuse qui existe. Alors comme il dit ici Rabbeinu, et Rabbi Nathan, que maintenant, tout ça c'est Pkimat Alvana, c'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il n'y a pas d'évidence de la vérité, ça fait qu'on ne peut pas rentrer en discussion. On ne peut pas, il n'y a pas d'évidence de la vérité. Tu vas commencer à parler avec quelqu'un de la vérité et il peut te frapper si tu veux lui expliquer la vérité parce qu'il n'a pas les midotes du tout. Alors tu fais attention, tu parles à demi-mot, tu fais attention à ce que tu dis pour ne pas avoir des histoires, pour rentrer dans des histoires. Chez Misham Haniout, d'où elle vient la pauvreté? Elle vient de là, de Bgimat Alvana, le fait que la lune, elle n'est pas évidente. Que la lumière de la lune, elle n'est pas évidente, c'est-à-dire que la lumière du soleil qui se reflète sur la lune, elle se reflète de façon très faible. C'est ça qui fait que la pauvreté dans le monde. C'est ça qui a fait les 7 années de famine qui sont venues sur les 7 années d'abondance. Pourquoi 7 années? Pourquoi il y a eu 7 années? Pourquoi il n'y a pas eu 4 ou 12? Pourquoi 7? Parce que c'est par rapport aux 7 midot, comme on dit. On dit que le Yayemetov et Yemera. Maintenant, le Yemetov, c'est Zayin Midot, c'est les 7 midot. C'est la Hava chez Beyamim, c'est le bien qui se trouve dans les mesures de ce monde. Après, la Hava chez Bedat, c'est la Hava, l'amour d'Hachem dans la racine. Mais dans ce monde-là, il y a des Yemetov et des Yemera, et des fois les Yemera ils se renforcent, c'est-à-dire il y a 7 années de famine qui viennent attaquer les 7 années d'abondance. Maintenant celui qui donne de la tzedaka à un pauvre, il est prina d'un tzadik, il est un tzadik. Prina tzadik ronen venoten, comme c'est écrit, un tzadik c'est quelqu'un qui est miséricordieux et qui donne. Ve'u machnia Yemera mina ani. Et lui qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les mauvais jours qu'il y a sur le pauvre. Velidgale prinata yemetov. Et maintenant, il révèle le bien qu'il y a dans cette personne-là. C'est-à-dire, cette personne-là, elle est pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est pauvre? Ça veut dire qu'elle est rentrée dans des vêtements de consommation de ce monde. C'est ça qui l'a appauvrie. Parce que l'appauvrissement, il commence par l'appauvrissement mental. Avant de rentrer dans l'appauvrissement du porte-monnaie, d'abord, il y a un appauvrissement de la tête. Quand la personne elle commence à s'appauvrir dans sa façon de voir la vie, quand elle commence à faire des choses qui sont de l'immoralité totale, des choses qu'ils veulent faire officialiser l'immoralité, il faut officialiser le côté animal, en faire quelque chose d'officiel, ça rend pauvre déjà de la tête. La personne elle commence à s'appauvrir dans sa tête. Quand elle commence à s'appauvrir dans sa tête, alors après elle va s'appauvrir dans son porte-monnaie. Donc quand quelqu'un il voit un pauvre et que maintenant il a pitié pour lui, de quoi il a pitié? Il a pitié de sa pauvreté mentale qui s'est révélée, qui est descendue dans sa pauvreté maintenant dans la poche. Maintenant la pauvreté mentale, les gens ils ne savent pas mendier pour la pauvreté mentale. Alors Hachem il les fait mendier dans la pauvreté du portefeuille, et quand ils vont mendier dans la pauvreté du portefeuille, ils vont remonter dans la réparation de la pauvreté mentale. Si les gens ils savaient aller mendier dans la pauvreté mentale, ils n'auraient pas de problème dans la pauvreté du porte-monnaie. Si quelqu'un il savait à quel point il est pauvre mentalement et qu'il allait chercher chez des tzadikim et qu'il leur disait « Ayez pitié de moi, apprenez-moi à vivre parce que je sais pas vivre. Je vois que cette société-là, les gens ils sont fous. » Tu vois, tu entends des histoires, quelqu'un... Voilà, je ne sais pas, il y a quelques semaines, une jeune fille comme ça, à Marseille, elle se pend comme ça. Comme ça, elle se pend, sans aucun truc, tous ses amis, les gens qui la connaissaient et tout, ne comprennent pas, rien. Rien. Rien, rien, elle a vu un arbre, un truc, elle a été, c'est pendu. Tout. Maintenant, d'où ça vient des choses comme ça? Ça vient parce que les gens, ils sont aspirés par le vide. Il y a un vide qui est tellement grand. Que bien que tous les gens ils font du bruit, tu vois, ils tapent sur des casseroles, etc., pour essayer de faire croire qu'il n'y a pas de vide, mais il y a des gens qui sont sensibles, qui sont trop sensibles pour vivre.
Ils n'arrivent pas. Tous ces bruits de casserole et tout, ça leur fait rien. Ils n'arrivent pas à vivre avec ça. Ça ne les alimente pas. Et voilà, des gens, Chas v'Shalom, ils se suicident. Si Rabbeinu l'a dit, si Rabbeinu est venu encourager, dire le désespoir n'existe pas, ça veut dire qu'on le frôle sans arrêt. C'est pas maintenant quelque chose qui est, le désespoir n'existe pas, c'est pas comme si quelqu'un il a lancé une phrase qu'on va voir quelque chose dans le monde qui va se passer. C'est que chacun il a besoin de ça tous les jours. Tous les jours, pourquoi? Parce que les situations, elles sont désespérantes. Elles sont désespérantes parce que la personne, elle a une pauvreté mentale. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à vivre les choses comme il faut les vivre. Elle n'arrive pas à trouver la Shem. Elle n'arrive pas à trouver la joie dans sa vie. Elle n'arrive pas à trouver un peu d'infini dans ce monde. Elle entend que des bruits de casseroles. Des gens, ils tapent sur des casseroles toute la journée. Elle dit, mais attends, où on va avec ça? Alors d'accord, voilà, c'est des lycéens, ils vont au lycée, ils préparent leur cartable, ils vont passer truc, on leur dit voilà, bientôt l'examen, bientôt ça, bientôt ci. Et les gens, ils voient qu'il y a bientôt, sauf le vide, il est toujours là. Et la personne, elle se sent aussi vide à l'âge de 16 ans, qu'à l'âge de 18, qu'à l'âge de 25, qu'à l'âge de 30, et voit que le vide, il est toujours là. Elle a fait des choses, etc., mais elle n'a pas rempli sa vie. Elle n'a pas goûté un petit peu à quelque chose de spirituel qui lui remplisse sa neshama, qui lui donne un peu goût à rester dans ce monde. Alors vous voyez, de temps en temps, des gens, ils font des bêtises, ils font n'importe quoi, ils se découragent, parce qu'ils ne trouvent pas la vérité. Alors c'est ce qu'il dit ici, que des fois... Il vient maintenant les 7 années de famine et elle mange les 7 années d'abondance. C'est-à-dire que la personne, elle se trouve complètement avalée par le désespoir, par l'obscurité, par l'incompréhension, par la solitude. C'est des sentiments terribles qui existent aujourd'hui. Avec tout ce que tu peux avoir, Internet et Facebook et tout ce que tu veux, les gens, sauf, ils vivent une solitude comme ils n'ont jamais vécu dans le monde. Et combien de gens ils demandent de faire des prières, tu vois, combien de gens ils disent ne plus être seul. Les gens sont seuls, pourtant ils ont Facebook, ils ont tout, mais tu peux, c'est pas ça qui va t'enlever la solitude. Les sentiments de solitude que les gens ils ont, c'est terrible. Et ça, c'est une nekuda. Il y a tellement d'autres midot où les gens ils sentent le vide total. Ça vient de l'ani ou du da'at, que le da'at il est ani, le da'at il est pauvre. La conscience d'Hachem, elle est pauvre. Ça fait qu'il n'arrive pas à trouver Hachem dans sa vie. Donc il vit avec une conscience d'Hachem très faible, très petite ou pratiquement inexistante. Et maintenant, il vit dans un monde où il enlève un emballage. On lui dit, non, ça va venir. Il enlève, il trouve encore un autre emballage. On lui dit, non, mais tu vas voir, continue. Il enlève, encore, il trouve que des emballages. Alors à la fin, il dit, mais attendez, vous pouvez pas me... ça fait des années, je fais qu'enlever, vous me dites, je trouve un emballage, il enlève un autre, c'est tout, je n'ai rien trouvé. Mais là, j'ai rien trouvé dans ce monde. Pourquoi vous voulez que je continue? Les gens, ils n'arrivent pas. C'est très difficile. Quand maintenant Paro, il vient, il demande à Yosef, il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, je rêve ça sans arrêt. Je rêve que les vaches grasses, que les vaches maigres, elles vont manger les vaches grasses. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne sais pas du tout. Il est affolé, Paro. Maintenant, tous, ils lui disent, tous ces visionnaires et trucs, ils lui disent des choses. Ça ne sert à rien. Ils ne le calment pas. Il n'y a que Yosef qui vient, qui le calme. Parce que Yosef, il est capable de trouver le Tov dans les Yémera. C'est ça la grandeur de Yosef. Yosef, il est capable de trouver le bien là où il est le moins évident dans le monde. Là où il n'y a aucune évidence de bien, Yosef, il vient et te dit, non, tu es bien. Sache que tu as une valeur et tu es bien. Et viens, maintenant, on va commencer à développer ce bien. Et tu vas voir qu'il est là, qu'il existe. Et Bor Hashem, ça marche. Et tu vas voir que tu vas t'en sortir avec ta famille et tout va bien marcher. Commence à croire dans le bien. Mais il faut quelqu'un qui soit un bardat, que lui il est riche dans sa tête. Pourquoi Yosef, ou Amashbir, le Kolamaret, c'est écrit Yosef, c'est lui qui nourrissait le monde entier. Yosef, il avait le manger du monde entier dans ses mains. Pourquoi il avait le manger du monde entier? Parce qu'il avait d'abord, c'était dans la conscience qu'il avait déjà. C'était un bardat. Il avait du da'at, c'est-à-dire il avait la conscience véritable d'Hachem. Il n'est pas rentré dans des petites choses. Il dit, mais pourtant, il en a passé des choses. Ses frères, ils ont voulu le tuer, ils l'ont vendu, ils ont menti, ils ont fait tellement de choses terribles par rapport à séparer de son père, etc. À se trouver un jeune jeté comme ça. Après, chez Potiphar, on l'accuse de choses qu'il n'a pas faites. Il avait des dossiers de quoi râler, il en avait des paquets, Yosef, pour râler.
pour commencer à râler, il en avait vraiment beaucoup. Mais il n'est pas rentré là-dedans du tout. Il était toujours joyeux, Yosef. Il dansait toute la journée. Pourquoi ? Parce qu'il avait un da'at, le da'at, la conscience d'Hachem, qu'Hachem, il se trouve partout. T'en fais pas de soucis, même si on t'a vendu, même si tu t'appelles Yaakov, et que toi tu aimais Rachel, on t'a donné Léa. Sois joyeux, parce que Hachem, c'est Hachem qui t'a donné Léa. C'est pas Lavan, c'est Hachem. Lavan, il n'existe pas, Bichlal. Lavan, c'est un gant d'Hachem. C'est Hachem qui a fait, qui t'a donné ça. Sois joyeux, parce que c'est comme ça que ça doit être. Mais ça, c'est que Yosef qui voit clair ces choses-là. Nous, on ne voit rien du tout. Nous, quand on nous donne un coup, on a mal, c'est tout. Et quand on a mal, on commence à pas être content. Et quand on n'est pas content, on commence à avoir de la haine. Et on commence à râler, etc. Mais le tzaddik qui vient, il te dit, ne râle pas. Sois joyeux. Sois joyeux, parce que tout ce que tu vois qui est à l'envers, là, Béhémet, ce n'est pas à l'envers du tout. C'est uniquement le mode de livraison qui est à l'envers. Mais l'intérieur qu'il y a, il est bon. Il est ni flamme et onde. C'est pour ça que dans l'humanité, même maintenant, les gens ils vont dans une exagération d'état à vote. Ils vont vers, je ne sais pas comment on appelle ça en français, libertinage, je ne sais pas quoi, mais ils vont vers l'ouverture des théavot, mais les plaisirs, comme on dit à gogo, vas-y, mais ils ne savent pas que c'est ça qui entraîne le désespoir et les suicides. Ils ne savent pas que c'est ça, parce qu'une fois que la personne, tu lui as fait enlever toutes les barrières qu'il y avait, qu'est-ce qui reste? Il reste le précipice, c'est tout ce qu'il y a après tout ça. Il n'y a rien derrière tout ça. Il n'y a rien du tout. Je vous avais dit, une jeune fille ici, qui de Mehacharim ici, elle est tombée, elle est sortie d'ici, elle est tombée, elle est devenue complètement, elle est en dehors de la religion. Et elle n'a pas pu, à l'âge de 19 ans, elle s'est suicidée. Mais avant, elle a écrit une lettre, elle a dit qu'il la colle dans toutes les synagogues. Et elle a dit, n'allez pas là-bas, il n'y a rien, c'est que du vide. Elle dit, moi je ne peux pas revenir, j'ai trop honte, je ne peux pas revenir. Mais je vous dis, ce que vous goûtez à la table d'un Shabbat à la maison, ça n'existe nulle part dans le monde. Croyez-moi, moi aussi j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Et j'ai gratté, après tout ça, c'était le vide total. Il n'y avait rien. Donc n'allez pas là-bas. Maintenant ça c'est pareil, eux ils ouvrent. Ils disent, voilà, vous voulez mariage gay, allez ça. Vous voulez ça, allez, ouvre. Mais après, une fois qu'ils vont ouvrir toutes les portes, où ils vont arriver, la dernière porte, ils ouvrent, ça y est, c'est le ravin, ils tombent. Après que la personne elle a fait tout ça, qu'est-ce qu'elle a? Le goût de la vie, elle l'a plus, Birla. Parce qu'elle a détruit tous les vêtements qui pouvaient donner encore une petite conscience d'Akadosh Baruch Hu. Tous les vêtements qui étaient des vêtements de Keuna, des vêtements de service d'Hachem, elle les a détruits. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste que de l'obscurité totale, c'est tout. C'est-à-dire, il rentre dans le côté pagoum de la lune. C'est-à-dire, le côté complètement obscur de la lune. Tu vois, quand tu vois la lune, elle a une partie qui est claire, même si ce n'est pas très clair. Mais il y a un petit peu de lumière, même si c'est une lumière blanchâtre et grisâtre, tout ce que tu veux. Mais c'est pas coloré du tout, c'est pas sympa du tout, c'est pas joyeux du tout, d'accord. Mais c'est un petit peu de lumière au moins. Mais l'autre côté de la lune, il est noir complètement, il n'y a rien, Birlal. C'est l'obscurité totale. Alors les gens, ils les aident à développer les ta'avot, c'est-à-dire aller contre la honte, n'ayez plus honte. Il n'y a pas de honte à avoir. N'ayez pas honte. Il faut s'affirmer. Il faut parler des choses qu'on ne parle jamais. Il faut en parler clairement. Il ne faut pas avoir honte. Mais ils ne savent pas qu'ils amènent les gens à suicider. Après, ils disent, putain, oh, la pauvre lycéenne de 17 ans, elle s'est pendue à un arbre. Pourquoi? Pourquoi elle s'est pendue à un arbre? Pourquoi on avait tout ce qu'il fallait? Voilà, il y a deux jours, elle était dans une fête avec les étudiants, etc. Elle rigolait, même faisait rigoler les autres, etc. Mais pourquoi elle s'est pendue? Parce que la personne, même si elle rigole et tout, c'est rien qu'elle fait semblant, mais au fond d'elle, elle est complètement désespérée de ce que ça va donner dans sa vie. Elle voit que maintenant les rapports entre les gens, ils sont faux. Les gens, ils ne se marient pas parce qu'ils veulent être libres. Ça veut dire qu'ils veulent être libres. Ils veulent être libres de quitter la personne avec qui ils vivent. Donc ça veut dire qu'ils ne les aiment pas. Ils ne se marient pas parce qu'ils s'aiment. Ils se marient pour passer un moment ensemble. Et après il va partir. Après, qu'est-ce que je vais faire? Et après, je vais chercher quelqu'un d'autre. Et quoi? Toute ma vie, je vais faire ça. C'est quoi ce monde-là? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous vendre? C'est des trucs qui ne valent rien du tout. C'est des systèmes de vie qui ne valent rien. Et plus maintenant, les gouvernements, ils ouvrent, parce que maintenant, ils cherchent les prochaines élections. C'est ça qu'ils cherchent. Vous croyez qu'ils cherchent l'intérêt des gens? Pour eux, ils n'ont qu'à tous suicider, ça les arrange encore plus. C'est ce qu'ils ont à faire. Vous croyez, eux, ça leur fait un souci quelconque. Voilà, dans France Télécom, je ne sais pas combien de gens, ils se sont suicidés en quelques années. Vous croyez que ça a fait quelque chose? Qui se suicide, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça, c'est tout.
Ça les dérange pas, c'est pas ça. Eux, ils cherchent les prochaines élections. Si maintenant la cote du président elle est en haut et en bas, et si la cote elle est, s'il faut casser les cotes des gens pour avoir la cote, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Et ça les dérange pas du tout. Le écart, c'est que les pronostics qu'ils avancent, c'est tout. Alors ils ouvrent. Ils voient les gens, ils veulent. Ah, vous voulez des centres où vous pouvez vous droguer librement. Ok, voilà des centres. Des centres. Vous voulez le cannabis que ce soit permis. Ok, en avant. Vous voulez ça? Ok, enlève les barrières. Et après, quand tu vas gratter tout, qu'est-ce que tu vas arriver? Comme Rabbeinu, il dit, quand le poing, il est fermé au moins, quelqu'un, il court, il a le poing fermé, au moins tu cours derrière lui, tu dis, au moins il doit avoir quelque chose là-dedans. Peut-être qu'il y a un diamant, peut-être qu'il y a une bille, peut-être qu'il y a une boulette, n'importe quoi, quelque chose là-dedans. Mais à la fin, il ouvre, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as permis ça. Ok, on va juste voir ce que ça va donner. Mais à la fin, qu'est-ce que ça donne? C'est le néant total, c'est tout. Et une fois que la personne elle arrive au néant, ben c'est fini, il n'y a pas de... Prenez tous les grands, les Kafka, tous les gens, et tout ça. Et une fois que la personne elle a été au bout, c'est fini. Qu'est-ce qu'elle trouve? Le néant total, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu lui as enlevé tout le peu de honte qu'il y avait, le peu de retenue qu'il y avait. Ça permet de s'alimenter d'Akadosh Baruch Hu, de la vraie vie. C'est ça qui donnait la vie. Un petit peu de retenue. Un petit peu, la Torah indique quand quelqu'un il a un peu honte, quelqu'un il a fait une avéra, il a honte, tout de suite on lui pardonne ses avérotes, parce qu'il a honte. Le sentiment de la honte c'est très très important. Quand une personne elle se sent honteuse, c'est un tikkun par rapport, ça veut dire qu'elle voit Hachem, c'est pour ça qu'elle a honte. Adam Arishon et Chava, ils ont fauté, tout de suite ils ont eu honte. C'est une réaction normale de quelqu'un devant face à Kadosh Baruch Hu. Il a fauté, il n'a pas fait la volonté d'Hachem. Il ressent tout de suite une honte. Maintenant, on vient, on te dit, non, enlève la honte. Mais si tu enlèves la honte, ça veut dire que tu vas enlever la conscience, le peu de conscience d'Hachem, tu vas l'enlever. Qu'est-ce qui va te rester? Il ne reste rien du tout. Après, la personne n'a plus envie de vivre. Il dit, mais comment ça se fait qu'ils n'ont plus envie de vivre? Ils ont tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? Ils ont des emballages. Tu leur as donné que des... Il a une tente d'emballage, une personne. Tu lui dis, pourquoi il s'est suicidé? On lui a donné tous des emballages. Il a des emballages de tout chez lui. Mais il n'a rien du tout. Ses emballages, ils sont vides, il n'y a rien. Tu lui as donné des soi-disant ça et ça. Et ces gens-là, ils ont tous des téléphones, ils ont tous l'Internet à la maison et des vidéos. Mais ça y est, combien une personne, elle peut? Combien tu peux lui remplir la cervelle avec des vidéos? Combien? Combien tu peux lui faire des shows télévisés, lui remplir le cerveau? Il y a un moment, la personne, elle ne peut plus. Elle ne peut plus de tout ça. Elle cherche quelque chose, un peu de vérité, quelque chose. Et eux, au lieu de leur laisser un petit peu de retenue, pour qu'au moins dans l'imaginaire, la personne, elle dise, bon, ok, au moins on n'a pas été au bout. Cette honte-là, elle lui permet de rester conscient de l'existence d'Hachem. Un petit peu, comme c'est écrit pour la Levana. La Levana, on dit, elle a honte. La lune, elle a honte. Parce qu'il y a une honte à être diminuée. C'est-à-dire le fait que maintenant, quelqu'un, il se retient, il diminue dans l'état avant, il diminue un petit peu. Cette retenue-là, c'est déjà une conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui entretient la vie dans la personne. Tandis que quand maintenant quelqu'un, il voit, comme la Gemara dit qu'à l'époque de Mashiach, les gens ils vont avoir une audace terrible. Mais il faut qu'ils sachent, les gens, que plus ils osent et plus ils cassent des barrières et plus ils s'approchent du néant. Et le jour où ils vont se découvrir le néant, là-bas c'est un point de non-retour, c'est fini. Là, tu ne peux plus y dire maintenant, bon allez, c'est pas grave, viens, reviens au café, on va te faire un petit expresso avec une gaufrette. Et c'est fini tout ça. Une fois que la personne elle a tout brûlé, vous ne pouvez la ramener nulle part, c'est fini. C'est fini, c'est quand vous prenez tous ces gens, voilà, les skinheads, les trucs et tout. Regardez, les gens, ils s'entretuent, ils sont capables de faire n'importe quoi. Il n'y a plus de sentiments humains, il n'y a plus rien du tout. Parce que les gens, ils sont dans une telle pauvreté mentale et après une pauvreté aussi matérielle, puisque les deux, c'est lié. Ils vivent dans des cités, dans des trucs, il n'y a rien. Ils disent, mais notre avenir, c'est quoi? Il n'y en a pas d'avenir. Ton avenir, c'est le néant, c'est tout, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, à la fin tu verras qu'il n'y avait rien du tout. Que tout ce que tu as vécu c'est rien, et tout ce que tu as fait dans ta vie c'est rien, et tu n'as rien construit du tout. Parce que pourquoi on t'a laissé casser les barrières. Que ces barrières-là, les mincées comme on dit, là où il y a un Geder Erva, c'est écrit là où il y a une barrière contre les fautes, tu vas trouver tout de suite la Gdusha. Tout de suite tu vas trouver la Gdusha. La Gdusha, elle vient des limites. Quand la personne, elle se met des limites.
Elle dit ça, oui, mais ça, non. Jusque-là, on n'ira pas. Ça, on est d'accord, mais on n'ira pas plus loin. Cette limite-là, c'est ça les bases de la Kedusha. Quand une personne, elle se met des limites. Quand une personne, elle ne se met pas de limites, il faut qu'elle sache qu'elle est en train de détruire ce qui lui donne de la vitalité. Et c'est ça qui explique le mal de société, le mal de tous ces gens-là. C'est que maintenant, soi-disant, on veut les rendre libres. Libres de quoi ? Libres qu'après, la personne, elle n'a plus envie de vivre. C'est ça la liberté. Alors qu'avant, les gens, ils avaient un minimum de cédère, un peu d'ordre. Il y avait un petit peu d'ordre. Ce peu d'ordre-là, ils maintenaient la vie. Les gens, ils avaient envie d'aller acheter un truc, d'aller acheter un pantalon ou des chaussures. Aujourd'hui, les gens, tu dis à un jeune, on lui dit, viens, je t'achète des chaussures. Pas le temps, achète ce que tu veux. Les gens, ils n'ont pas le goût des choses. Ça vient du fait qu'on a ouvert. On a enlevé les barrières. Du moment où on a enlevé les barrières, toute la Kedusha, elle est partie. La présence d'Hachem, elle est partie. La présence d'Hachem, elle vient toujours dans des gdarim. Le Mishkan, c'est des mesures. C'est tout des mesures. Il y a des piliers, il y a des tentures, il y a un périmètre, il y a une hauteur. Il y a tout est mesuré. Et là-dedans, Hachem, il descend. Pourquoi Hachem ne peut pas descendre dans le désert comme ça, Stam, il a besoin de tout ça. Mais Hachem, il se manifeste dans des mesures, pas comme ça, dans des terrains ouverts. Il y a même, c'est écrit dans la halakha, que tu ne peux même pas prier à la Shmona Esrei. Il ne faut pas prier dans un endroit désert. Bon, si quelqu'un, il n'a pas le choix, il est dans le désert, il est dans le désert. Mais s'il peut se faire dans le désert, il peut trouver un petit arbre, ou se faire une petite, avec une tenture, de faire quelque chose, c'est mieux de prier toujours où il y a quelque chose qui t'entoure, que tu ne sois pas ouvert. Pourquoi on dit, non, Hachem, il est là, on va prier à ciel ouvert. Non, Hachem, il ne veut pas que tu le pries à ciel ouvert. Hachem, il veut que tu le pries dans une synagogue, là où il y a des murs, ou dans une pièce, ou quelque part, où il y a des barrières. Parce que le fait que la personne elle a une maison, elle a une synagogue, elle a un Beit HaMidrash, ces barrières-là, c'est la Kedusha. C'est ça qui amène la Kedusha. Et les gens qui ne veulent pas de Kedusha, ils veulent dormir dehors, ils veulent être des gens qui habitent dans des roulottes ou dans des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans la Kedusha. Ils ne veulent pas vivre dans la Kedusha. Ça ne les intéresse pas, la Kedusha. Ils veulent dans les Tahavot, etc. Ils ont compris que s'ils construisent quelque chose, ça va leur enlever leur Tahavot. Alors ils préfèrent rester comme ça. Des nomades, des gens qui n'ont pas de concept de vie, de retenue, de quoi que ce soit. Mais ça amène ça amène des choses terribles. Parce que les gens, ils ne sont pas... Tu vois dans le Sipurim Maaseiot, dans le Baal Tefila, tu vois des gens là-bas, ils ont pris le crime comme but. Ils ont dit, puisque maintenant le monde se détruit, tout ce qui existe, dès que quelque chose devient yesh, il existe, son but c'est de devenir haïm, c'est la destruction. Alors on va détruire les gens, comme ça on les a amenés au but plus rapidement. Et ils ont choisi là-bas aussi des nomades et des gens comme ça, qu'eux ils ont trouvé un gitan ou je ne sais pas quoi, que lui il a tué ses parents et ils ont dit ah ça c'est quelqu'un super, wow, il te rend compte, il a tué ses parents et tout, ils l'ont pris comme roi parce qu'ils ont vu que c'était un spécialiste de la destruction. Mais ça, c'est ça le holam. Et les gens ne savent pas que quand ils enlèvent les barrières, ils vont vers la destruction. C'est ce que Rabbi Nathan il explique ici.